L'école primaire, un, deux, voilà tout simplement. Le rythme, c'est comme les morceaux de musique d'église d'une chorale. Un, deux, voilà, un, gauche, vous penchez à gauche, soulevant les pieds. Hein? Un, deux, et quand je dis, oh l'âme, l'âme me dit le mariage. L'âme, oh l'âme, oh y'a point d'andala, oh l'âme, oh l'âme, oh y'a point d'andala. Oh, no.
Yeah.
nous avons prié Dieu qu'il bénisse oui et qu'il reste oui pour le meilleur et pour la vie. Oh yes, c'est ça. Ma fille, tu as vu ce sac? Tu peux nous dire ce que tu constates, ce que tu remarques de ce sac? D'après toi, qu'est-ce que tu vois sur la façade de ce sac? Cette façade est comment? Touche-les, noué, s'il te plaît. Oui, tu vois le vert. Je vois également le jaune. Tu vois le jaune, effectivement. Tu vois le marron. Très bien. Ah, très bien. Ça veut dire que ça a multitude de couleurs. Cette façade est jonchée de plusieurs couleurs. Très bien. C'est les situations que tu vivras dans ton foyer. Amen. Ça, il y a des semaines où l'un ne dira plus un mot à l'autre. Il y a des jours où vous serez sur votre lit que vous partagerez l'homme la tête en haut, toi la femme la tête en bas. Et c'est ça que tu vois ici. D'après tout ça, tu pourras courir dire au voisin que regarde, dans mon foyer, il y a ceci qui se passe maintenant, il y a cela qui se passe. Tu ne le diras pas parce que tu as dit oui pour tout ça. Ma fille, prépare-toi à savoir qu'il y aura aussi des années, des jours, des semaines où tout baignera dans de l'huile. Ce sera clair, beau à voir. Ça pourra attirer l'attention de tout le monde. Votre façon de vivre. Et n'oublie pas donc, après cette façade qui indique le bonheur, la paix, la joie parmi vous, il y aura aussi la façade jonchée de toutes les couleurs qui indique tout ce que tu traverseras dans ton foyer. Cela pourra venir de ses frères d'église. Mais comment ton mari là ne t'habille pas comme moi j'habille ma femme? C'est cette couleur noire que tu as vue dans le jaune. Ça pourra venir de ses collègues de service. Comment ton mari est en mission depuis un mois, deux, et là, la maison avec qui vient dans ma Prado que j'ai garée dehors. On fait un tour en boîte de nuit. Et là, tu te sentiras pas isolé. Tu comprendras que c'est la couleur rouge, c'est parce que c'est le danger. Là, yes! Oh, oh, le père, yes! C'est ça, la couleur, yeah! La couleur rouge là signifie le danger. Yes. Beaucoup d'autres diront que c'est le sang du Christ, mais le sang n'avait pas coulé pour le bien. Là où il t'amène, vous êtes dans la Prado, vous roulez, mais là vous allez finir, tu regretteras toute ta vie pour avoir emprunté sa Prado pour que vous fassiez un tour en voiture. C'est la couleur rouge. Sachez donc que lorsqu'il y aura le bonheur, la paix, la joie, ce sera pour vous deux. Ceci, Jérémie, viendra de sa propre maman. Tu diras, depuis que ma fille est avec toi, tu m'as déjà acheté un pagnon depuis que les années de Noël passent. Non, je n'avais pas su que tu es si chiche. Là, c'est la couleur noire que tu vois dans le bonheur. Ça pourra venir de ses oncles qui arrivent chez toi ayant besoin de ta paire de chaussures, qui l'enverront te prendre la paire de chaussures sous le lit et elle prendra sans te signaler qu'elle a pris. Tu ne découvriras que quand tu viendras ici au village que ta paire de chaussures que tu as perdue, voilà ça au pied de ses ongles. C'est la couleur bleue ou verte que tu vois dans votre bonheur. Tout cela, tu te retrouveras et tu te rappelleras de ce oui que tu as dit aujourd'hui pour tout ça. Raison pour laquelle je remets donc à ma fille qu'elle aille donner à ses mamans tout ce que Jérémie a prévu pour elles. Si elles sont d'accord et nous ferons ces gestes, leur youyou pour nous dire qu'elles ont fouillé leur sac et trouvé que tout va. Jérémie, regarde ta place, nous attendons la suite des mamans. Voilà. C'est ça. Par le message. Oh l'amour. Oh l'amour. Papa
et les mamans, tout ce que vous avez donné pour vous, c'est vraiment suffisant. Merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans la phase la plus déterminante des phases. Est-ce que tu sais ce que c'est que le mariage? Tu peux me dire d'après toi, qu'est-ce que c'est que le mariage? Deux personnes qui sont lesquelles prononcent les noms de ce couple-là, l'un et l'autre. Ces deux personnes, il s'agit de. Et de. Notre fille, pourquoi? Le lien. Tu sais ce que c'est que le mariage, comme tu le prononces si bien, avec ce sourire olympique. Tu sais ce que c'est que c'est caché derrière le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi d'après toi? Mariage, tu as trois aspects de réponse que tu vas me donner. D'après toi, le mariage. Entre deux familles. Le mariage, c'est l'union entre l'homme et la femme. Le mariage également, c'est pour les enfants. C'est que moi, je dirais que le mariage, d'après moi, le mariage, c'est deux ennemis qui vivent ensemble. Qui se partagent un même lit, qui ont leur moment de turpitude, leur moment de bagarre, leur moment de dispute, tout comme leur moment de joie, et qui se gèrent toujours entre ce couple dans la chambre, que personne hors de la chambre ne sache qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit pour la paix, que ce soit pour la bagarre, que ce soit pour la haine. Lorsque tout cela finit dans la chambre, personne ne donne le là. C'est ça d'après moi le mariage. Deux ennemis qui se partagent un même. Même déjà dès cet instant, peut-être le regard de celle-ci t'aurait déjà provoqué. Tout comme toi, peut-être ton sourire beaucoup plus prolongé l'aurait déjà provoqué. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux sourire comme ça, une autre tombe envieuse de toi. Et c'est ainsi qu'elle n'est plus dans ce mariage. Et tout cela se gère entre vous, dans votre chambre. Si elle t'a accepté au mariage, ça veut dire pour le meilleur et pour la vie. Amen. Qu'est-ce qui va se passer déjà là? Quelle est l'action qui prouve que tu es content? Comme Véronique t'a dit oui. Je t'accepte pour le meilleur et pour la vie. Fais-lui un geste. Si tu veux, sors-lui l'enveloppe blanche et vide. Nous ne saurons pas le contenu. Et prouve-le nous que comme elle t'a accepté pour mariage, voilà, n'est-ce pas, ta réaction positive suite à ce fait qu'elle t'a dit oui, je t'accepte pour le meilleur et pour la vie. Et tu n'es pas obligé, hein, tu le fais d'après ta volonté. Sous vos acclamations. Oh yeah. Vraiment, j'ai accepté chanter parce que ma fille, désormais, tu n'es plus ma demoiselle. Tu n'es plus fille. Tu n'es plus une femme à qui n'importe quel individu tendra la main
et peut-être après avoir frappé, la main va aller jusqu'à claquer le doigt. Tu ne l'es plus désormais. Si oui, c'est que c'est ce jeune homme qui est Jérémie. Jérémie est ton remède déjà, est ton docteur déjà. Quand il va rentrer, trouver que le repas n'est pas encore mis à table, tu as traîné à la cuisine pour soigner cette lenteur à la cuisine. Il est ton remède en disant, remets-moi le pilon, je vais t'apprendre à tourner. Yes. Parce que... Yes.